Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sous ce soleil radieux et cette lumière est magnifique sur cette pelouse de grande qualité. Vraiment, aujourd'hui, on est à quelques instants du coup d'envoi de cette rencontre. Le temps pour nous de vous la présenter rapidement, de vous communiquer d'abord ce que vous attendez. En priorité, la composition des deux équipes et ensuite le coup d'envoi pourra être donné. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être dans ce stade. Faute, c'est indiscutable. Allez, on va en rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre. La prochaine fois, ce sera carton. Le jeu repart vers la droite. Belle passe lobée. Oh, il a pris des risques. Ce sera un coup franc. Dost à droite. La passe dans la profondeur. Oh, pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Il glisse le ballon en profondeur. C'est envoyé dans l'axe. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Wijnaldum, il adresse un centre rasant. Bien servi. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, quelle frappe! Quel but! Quelle frappe sensationnelle! Ça y est, ce match est vraiment lancé. Et surtout, quel toucher de balle, ce lob est parfaitement ajusté. Ce but en tout début de match devrait leur apporter de la confiance. C'est bien donné. Et côté d'arbitre, corner. Ça ne passe pas. Martial. Kanté. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc 1-0. Il cherche son coéquipier. La passe dans la profondeur. Bien tenté cette passe dans le dos de la défense, mais c'est intercepté. Il y avait de l'idée là, mais le geste n'a pas suivi. Il peut tirer. Kanté. Griezmann pour trouver la faille dans la défense. Le gardien loin devant. Digne. Il tente de la jouer dans l'espace. Wijnaldum. Tarsdor. C'est joué long. Bon, il résiste bien. Il continue son one-man show. C'est dégagé loin. Tarsdor. Qui cherche une solution. Digne. Sidibé. On approche de la pause avec ce léger avantage. Lorsqu'on mène 1-0 et que l'adversaire n'a pas tenté le moindre tir, eh bien on peut attendre tranquillement la pause. Ce contre peut très bien aller au bout. Tactiquement, c'est quand même pas mal ce qu'ils essayent de faire. De passer par les ailes, vous voulez dire? Oui, mais pas seulement. Ils occupent les côtés pour étirer cette défense et trouver des espaces. Ah oui, oui, oui. Je vois. Même fils de paille, il préfère... Quelle détente! Le timing était bon, le placement était bon, tout était bon, sauf le dernier geste. L'équipe des Pays-Bas profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez, dans l'axe, ce n'était pas brillant non plus. Il s'en sort plutôt bien, je dirais. Il allonge. Il tire. Et ça ne passe toujours pas. Il domine carrément en ce moment et s'est passé tout près, 2-3 fois. À force de tenter, ça va finir par entrer. Et la tête. Et le gardien peut s'estimer heureux de ne pas avoir pris ce but juste avant la mi-temps. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Et il mérite de mener à la pause. Le public est satisfait, il faut qu'il continue comme ça. Un petit but, c'est par les deux équipes. 1-0 à la pause. On parle, mais le jeu a déjà repris. Il tente sa chance. Mbappé. La porte. La France qui peut avancer. Allez, c'est joué long, attention. Le centre tendu. Il allonge vers l'avant. Digne. Dost. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Vous frappez là. Mbappé. Mbappé. Sidibé. Oh, Griezmann. Ça joue à gauche.
un peu d'oxygène pour sa défense. Ou que ça va partir vite. Stéphane De Vrij, dites-moi Darren, votre sentiment sur cette rencontre? Il mène, mais toujours pas d'occasion dans cette deuxième période. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. À ce stade du match, il n'y a plus à hésiter, si? Indeed, Grégoire, indeed, en effet. C'est une occasion, ça! Ça s'est joué à rien! Ah! Ça aurait pu faire, mais je ne sais pas passer loin. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. De paille! Le centre étendu. Quelle occasion, attention! Et ça ne passe toujours pas. Un peu de sang neuf dans les deux équipes. Long ballon dans le sens du jeu. Il joue dans l'espace. Il est servi. Oh, la frappe! Ça fait but! C'est peut-être un pas de géant vers la victoire. Quelle intelligence dans la finition. Et le doublé. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Ils vont sans doute être plus détendus maintenant. Et qui sait, peut-être même prendre le large. De paille. La passe dans la profondeur. La défense est battue. Il est passé. Oh, la frappe! Ils sont passés tout près du 3-0. Il aurait pu les mettre définitivement à l'abri et il le sait. Non, là, ça ne passera pas. Avantage défense. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Attention, il prend sa chance. Et voilà le but! 3 buts d'avance, l'affaire semble être pliée maintenant. Oh, il était bien placé ce ballon, tout simplement imparable. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire, applaudir. Bravo. Voilà ce qu'on appelle un coaching gagnant. Et voilà une bonne manière de fêter son entrée en jeu. C'est fabuleux. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Ça joue à gauche. Mbappé. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, il fallait l'oser ce tacle. Il remporte son duel. Umtiti. Kanté. Saint-Maximin. Il joue dans l'espace. Le bon jaillissement. Trautmann. 2 minutes de temps additionnel. La touche à suivre. Digne. Qui cherche la profondeur. Coup de sifflet de l'arbitre, le match est fini. Beaucoup de points positifs, bien sûr, à l'issue de cette rencontre, à l'issue d'une telle démonstration. Tout ce qu'on peut dire déjà, c'est que cette large victoire est totalement logique. Alors dites-moi, dites-nous, qu'avez-vous pensé de ce match? C'est une équipe qui possède d'excellents joueurs.
Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs seront à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent. On a hâte que ça débute. C'est l'un des plus beaux stades dédiés au football. Et le coup d'envoi a donc été donné. Benzema ! C'était bien joué, dommage. La défense a encore été prise sur cette passe, il faut qu'il se réveille. C'est bien la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Coquet à droite, Saoul ! L'arbitre revient à la faute et décide de l'avertir. Saoul reçoit le ballon pour trouver la faille dans la défense. Sidi B, il décide d'allonger le jeu. Et Sidi B. Belle passe lobée, rien à dire, c'était propre. L'Espagne qui fait tourner le ballon dans ce match, comme d'habitude. C'est vrai que le jeu en triangle fait souvent des ravages. Ça oblige l'adversaire à courir après le ballon, ce qui peut vite devenir démoralisant. Pas faux, Darren. Et d'ailleurs, certaines grandes, très grandes équipes même, le pratiquent à merveille. Martial qui choisit le côté gauche. Sergio Busquets. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Bien joué, ça. Et pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Oh, Benzema, il tente de la jouer dans l'espace pour trouver la faille dans la défense. Il centre dans l'axe. Voici Diego Costa. Jordi Alba. Touche. Saint-Maximin. Oh, Griezmann. Digne, va-t-il en profiter? Qui est le premier sur ce ballon? C'est dégagé loin. C'est joué long. Voilà un corner et la pression qui augmente. Griezmann, il préfère le jouer court. Encore un centre. Retour à l'envoyeur. Sidi B, ce ballon bien dosé. C'est joué long, attention. Ce ballon peut frapper là. Mais c'est bien fait, mais ça ne suffit pas. On voit qu'ils ont vraiment envie de ce but. Vous avez vu le nombre de joueurs qu'ils avaient dans la boîte? Et ils essaient de repartir de derrière. C'était un geste décisif, ce tacle. Marco Asensio qui a de l'espace. Isco. Il se recentre. Il tente de la jouer. La frappe, attention. C'est dégagé. Coquet, la relance, côté droit. La défense bien présente. Il est Marco Asensio. Le bon dégagement. Dommage, c'était une belle frappe, un moment idéal pour marquer juste avant la pause. Pas de but dans cette première période, mais ce match est loin d'être terminé. 0-0, tout est encore possible dans cette rencontre. Et on est déjà reparti. Je suis sûr qu'on va assister à quelques changements. Ça pourrait modifier le cours de ce match. Quelle détente! Ok. Qui veut se projeter? Jordi Alba. La passe dans la profondeur. Il joue dans l'espace. Le ballon en profondeur. Dommage, c'est trop puissant. C'est donc un double changement, hein, par équipe. Pogba entre en jeu. Il peut faire la différence avec sa qualité de passe. Martial. Digne. Il relance côté droit. Il glisse le ballon en profondeur. Un centre au cordeau. Oh, il l'a récupéré. C'est joué court à deux.
Oh, le bon ballon. Centre à ras de terre. Le gros dégagement. Avec Kanté. Le jeu repart vers la droite. Et bon centre dans la surface. C'est dégagé. Sidi Bé bien servi sur le côté. C'est bien donné. L'assistant lève son drapeau. Ah, effectivement, mais de peu. Jordi Alba. Saoul. Toujours rien à se mettre sous la dent niveau but. 0-0. Oh, Coquet. La passe dans la profondeur. Oh, l'interception. Sidi Bé. C'était un joli tacle quand même. Pas encore de but inscrit dans cette rencontre, mais ça pourrait changer. Un ballon intéressant. On joue sur l'aile, il est servi. Sidi Bé sent la frappe. Oh, c'est un arrêt important ça. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. Allez, essayez d'être précis, touchez un coéquipier. Danger repoussé pour le moment. Attention, coup franc dangereux à suivre. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. L'Espagne qui compte maintenant deux joueurs avertis. De là où il est placé, il peut frapper directement. Griezmann ! Oh, le coup de génie ! Quel but ! Quel but extraordinaire ! Yes, 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 yes ! Et le match s'anime enfin dans cette seconde période. Et cette trajectoire qu'il a trouvée, la classe. Waouh, c'est une frappe fantastique. Qu'est-ce que c'est fabuleux de marquer de cette distance. Le jeu reprend, ça fait 1-0. L'entraîneur est face à un dilemme. Doit-il continuer à jouer de la même manière ou changer de tactique? Dans la profondeur, c'est bien fait ça. C'est bien ce qu'ils font. Il faut continuer à les mettre sous pression avec ces centres. L'Espagne qui procède à un autre changement. Marco Asensio qui n'a pas l'air content de sortir. Et c'est un peu sa faute aussi. Il a déjà pris un carton. Thiago. Jordi Alba. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Quel timing dans l'interception. Saoul. Iniesta. C'est dégagé loin devant. Le ballon a franchi la ligne. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Sergio Busquets. Ça va sur l'aile. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ils mènent donc 1-0. Pas de hors-jeu, il y va. Il y avait du monde, mais ce dernier geste manque de précision. Thiago, il tente de la jouer dans l'espace. L'accélération. L'Espagne va frapper le corner. Et il y va de la tête. Quelle occasion, en espérant qu'ils n'auront pas à la regretter. Il évite l'égalisation, c'est bien joué. Kanté, ça joue à gauche. Digne. Mbappé. Bonne intervention. C'est joué long. C'est joué long, c'est dangereux. Il allonge. Il reçoit le ballon. L'interception, bien joué. Il allonge vers l'avant. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Oh, voici Thiago. Il passe en retrait au gardien. C'est vraiment dommage, il le manque toujours un petit quelque chose. Il joue dans l'espace. Il est tout seul.
bien servi. Et c'est intercepté. Saoul. C'est joué long, attention. Voici Diego Costa. C'est bien joli tout ça, mais quel manque d'ambition. L'arbitre ne va pas tarder à siffler la fin du match. Dans la surface, il est bien placé. La tentative, ça fait but. Ça fait maintenant 2 buts d'écart. La défense était bien présente, mais il a trouvé une main. Et l'arbitre siffle la fin du match. Victoire, c'est donc la victoire finale pour cette équipe. Et franchement, elle est méritée parce que techniquement, physiquement, mentalement, ils étaient vraiment au-dessus des autres. Alors, votre analyse sur cette rencontre ?